à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo, c'est Momo avec vous et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale sur ma chaîne YouTube puisque je vais vous présenter deux fascicules de la collection Insectes et autres bestioles de RBA Collection. Donc pour cette vidéo nous avons le fascicule 11 et le fascicule 12. Donc le 11 il est là. Et le 12 il est là. Donc on passe tout de suite à la présentation sur la table. Et on va voir tout ça en détail. C'est parti. Donc voilà les amis, on est sur la table et on passe tout de suite sur le fascicule 11. Donc la blatte américaine de Colombie. Donc on va feuilleter ça un petit peu, les blattes. Donc là on a un truc qui est tombé, qu'est-ce que c'est? D'accord, c'est une palette d'autocollants pour mettre dans la fascicule de rangement. Donc, les blattes. Un vertébré au corps mou. Donc, on voit un peu comment c'est fait dedans. Donc là, on voit un peu où est-ce que ça vit, hein, insecte primitif. Donc, on voit qu'il y a quand même plusieurs espèces de blattes. Donc si vous voulez lire, vous ferez pause. Fuir la lumière. Et oui, hein, parce que les blattes n'aiment pas la lumière. Elles se cachent dans le noir. Tendance grégaire. La partogenèse. Donc c'est une maladie, je crois, il me semble. Dans la poussière, et là on voit la bestiole que je vais vous montrer tout de suite. Donc là on a le prochain fascicule. Donc la blatte elle est là, la voici. Donc on peut voir qu'elle est quand même assez jolie, hein. Donc pour rappel ce sont des animaux élevés en captivité, hein. Ce ne sont pas des animaux qui sont prélevés directement dans leur milieu naturel. Voilà. Et on passe tout de suite sur le suivant, qui est le Fulgore Porte-Chandelle de Corée. Donc le numéro 12. Les Fulgoroïdes. Pas évident de feuilleter ça comme ça de loin, hein, avec le téléphone. Des allures de cigale, parce que oui, ça ressemble à une cigale. Donc là, c'est pareil, hein, si vous voulez faire pause pour lire, il n'y a pas de souci. Un régime contraignant. Donc on voit qu'il y en a plusieurs, hein, en Europe, un peu partout dans le monde. Il y a même des cigales, de ce que je vois là. De vraies sangsues. Une lutte permanente. Insectes de haut vol. Fléau ou remède. Donc ça c'est dans les champs. Et là on voit la bestiole que je vais vous montrer tout de suite. Et la voici. Qui est plutôt jolie. Hein. Bon là on l'a à l'envers je crois. C'est ça. Donc là la voici d'en haut. Vu sur le côté, donc on voit un peu la trompe, hein, ici. Vu de derrière, vu de l'autre côté, vu de devant et vu d'en dessous. Donc voilà les amis, on se retrouve tout de suite pour se dire au revoir. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt. Allez, bye bye les amis. Tchuss.